Bonjour, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous sommes avec Marie Green, auteure québécoise connue mondialement pour sa série de romans érotiques « Histoire à faire rougir ». Elle a été chanteuse pendant son adolescence et s'est consacrée à son passe-temps favori, l'écriture, en 1994. Bonjour, Marie. Bonjour. Après avoir écrit des romans érotiques pour adultes pendant si longtemps, pourquoi avoir décidé, avec votre série « Oseras-tu », d'aborder un public constitué d'adolescents? En fait, c'est que c'est les adolescents qui me l'ont demandé, puisque je me suis mis à recevoir plein de courriels de jeunes filles qui lisaient ces livres-là, à défaut de pouvoir se mettre aux choses sur la dent, qui traitaient de sexualité. Parce que oui, les jeunes pensent à ça. Oui, c'est incroyable que ça puisse paraître. Et comme, évidemment, les histoires à faire rougir ne s'adressaient pas du tout à un public adolescent, ça m'a donné l'idée d'abord d'aller voir en littérature jeunesse ce qui se faisait à ce sujet-là, pour constater que ben, ça va pas très loin. Hein? Souvent dans les romans jeunesse, aussitôt qu'un couple commence à s'embrasser, ça devient chaud un petit peu, on change de chapitre et on passe à autre chose, alors que je me rendais vraiment compte que les jeunes en voulaient beaucoup plus que ça. Et donc, j'ai décidé de faire ça dans un contexte qui leur ressemble bien plus que l'histoire à faire rougir. Vos livres de la série Oseras-tu sont racontés à la première personne. Mm-hmm. Comment faites-vous pour vous mettre autant dans la peau des jeunes? Mais j'ai déjà passé par là, même si ça fait quelques mois. Je pense qu'il n'y a pas tant de choses qui ont changé que ça, finalement, depuis mon adolescence. C'est sûr qu'il y a, oui, effectivement, au niveau de la technologie et autres, ça a changé beaucoup, mais les questionnements sont les mêmes. Les filles veulent toujours plaire au plus beau gars de l'école. Le plus beau gars de l'école, c'est souvent un salaud, pas tout le temps. Mais les questionnements restent les mêmes aussi. Comment ça va se passer la première fois? Ça va-tu faire mal? Comment je vais me sentir? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est la bonne personne? Je pense que tous les jeunes passent par là, puis ça, c'est assez universel aussi. D'où tirez-vous votre inspiration? C'est vraiment les jeunes. C'est vraiment eux qui, de plus en plus, m'écrivent, soit via Facebook ou pendant les rencontres dans les écoles où on échange sur différentes choses, des préoccupations qu'ils ont. Je m'inspire effectivement beaucoup aussi de « Je n'écoute tel jeune » où il y a plein de témoignages de jeunes qui vivent des choses difficiles, qui vivent des situations avec lesquelles ils ont de la misère à trouver comment réagir, à savoir quoi faire avec ça. Fait que je parle souvent de plusieurs personnages, plusieurs suggestions, plusieurs histoires. Je mets tout ça ensemble et ça part de là. Comment vous est venue l'idée d'Oseras-tu? C'est-tu apparu comme ça, pouf? Vous y aviez pensé longtemps avant? Ben, j'y ai pensé longtemps. C'est certain qu'avec la maison d'édition, on a jonglé longtemps aussi. Mais je pense que ça vient un petit peu d'une phrase que mon fils... qui a 15 ans, qui va avoir 15 ans bientôt, j'entends souvent ses amis dire « T'es-tu game? T'es-tu game? T'es-tu game? » Puis je suis pas capable. Ça m'énerve! Les niaiseries qu'ils vont faire au nom d'être game. Fait que je me suis dit « OK, ben ils sont-tu game d'avoir une tête, ses épaules, puis peut-être réfléchir un petit peu avant de faire des niaiseries? » Je pense que ça vient un petit peu de là. Sans avoir l'air moralisatrice, là, on a toutes fait des niaiseries, puis c'est correct d'en faire des niaiseries. C'est juste qu'il y a des niaiseries qui sont un petit peu plus pénibles à vivre que d'autres, qui ont des conséquences un peu plus difficiles, disons, que d'autres. Qu'est-ce qui vous attire le plus dans un public conçu de l'adolescent? Parce que ça ne doit pas être pareil d'écrire pour des adultes que d'écrire non, pour des ados. Tellement pas. Ben, en fait, j'adore les adolescents. Je trippe sur les ados. Parce que je trouve que c'est probablement le public qui est dans ta face. C'est-à-dire que s'ils t'aiment, tu le sais. S'ils t'aiment pas, tu le sais aussi. Ils sont très idéalistes, ils sont très convaincus, ils sont très engagés. Je t'anime, moi, d'entendre des gens qui disent « Ah, oh, les ados, tout ce qu'ils sont capables de faire, c'est de dire « puis jouer avec leur iPhone. » C'est pas vrai, c'est tellement pas ça. Je trouve qu'ils sont tellement entiers, tellement extrêmes. Je trouve ça rafraîchissant. Je t'anime d'entendre vraiment là, tout le monde qui dénigre les ados, alors que pour moi, c'est du monde qui sont... Bien, d'abord, ils sont très vulnérables aussi parce qu'ils sont soumis à un paquet d'influences. Comment démêler ça, c'est pas évident. Mais en même temps, ados, on est sûr qu'on sait tout, qu'on connaît tout, que rien peut nous arriver. Puis je trouve ça dangereux. Fait que c'est probablement la maman en moi qui essaie de les protéger, je sais pas, là. Quel est votre personnage préféré? Dans toutes vos romans, vous avez écrit dans la série Oseras-tu? Oh, je les aime toutes, je ne sais pas! C'est ben, je pense que Sarah-Jeanne, c'était la première, puis je lui ressemblais beaucoup quand j'étais ado. J'étais un peu naïve, j'étais chanteuse, tout le monde est beau, tout le monde est fin, c'était moi, ça. Mais Julianne,
avec ce qu'elle a vécu, forcément, je me suis attachée beaucoup à elle. Ben, Elisabeth aussi, pauvre petite cocotte. Puis Gabrielle, ben, tout le monde l'a eue avant de lire le livre. Fait que c'est sûr que là, j'étais contente de pouvoir montrer à tout le monde qu'elle est super fine puis qu'elle est super cute. Je les aime toutes. Mais les gars aussi, je les aime. C'est pour ça qu'il va y avoir une série sur les garçons. Quand pourra-t-on voir votre prochain roman dans les librairies? Je sais que moi, j'ai très hâte. Ça va être à l'automne, mais je peux pas être plus précise parce que ça dépend beaucoup de la maison d'édition. Puis, bon, il y a des périodes de mise en marché à respecter, là. Mais ça va être à l'automne quelque part. Je peux pas vous en dire plus. OK. Merci beaucoup. Et ça me fait vraiment plaisir.